Tu vas te marier? Oh, ne m'en parle pas. Préparez le costume cérémonial. Enfin, Ploms, c'est pas sérieux? Si, c'est comme ça. Les Merewives se marient jeunes. Une fois mon mut-mut terminé, tous les obsidés de ce secteur vont vouloir demander ma main à mon père. Avec tes courbes et ton intelligence, je suis persuadée qu'avant la fin de ce week-end, tu seras unie pour la vie. Unie pour la vie. Unie pour la vie. Unie pour la vie. Mais quand on se marie, c'est par amour et non pour obéir à une tradition ou bien à ses parents. Tu ne peux pas faire autrement. J'imagine que si j'avais déjà un fiancé, ça me débarrasserait de mon père et de tous ses déplaisants prétendants. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de garçon beau, sensible, doux, mais en même temps fougueux qui aimerait m'épouser. Célébration! Et si je me faisais passer pour ton fiancé, ça serait pas un gros mensonge? On s'est déjà embrassé en mettant la langue. Chris Kirkman, j'accepte ta demande en mariage. Ma fausse demande. Mais oui, bien sûr. Maintenant, quand tu auras un de ces prétendants sur le dos, tu n'auras qu'à lui montrer ton holobag pour avoir la paix. Pas si vite, Chris. Il faut d'abord avoir la bénédiction de mon père. T'inquiète pas. Les parents m'adorent. La mère de Danny n'arrêtait pas de me pincer les joues. Ça en devenait même un peu gênant. Ah ! Plum ? Bonjour, papa. Et qui est ce garçon ? Papa, je te présente Chris Kirkman, l'homme de ma vie.